de la casa más que fue paleo, que no tengo tampoco que paleo, que debo vivir en la casa más. Alors moi je suis patiente, je suis responsable du magasin, là je commence à être mais également directrice de ressources. Vous êtes en même temps directrice des ressources humaines et responsable du marketing. Ça nous dit qu'à la société. Voilà. Alors la Casamance, nous avons créé une société qui s'appelle la société du théâtre Casamance. Voilà. Donc c'est la société dans le théâtre Casamance. Vous allez bien. Nous sommes sur le marché depuis 2016. Donc, depuis 2016, vous faites tellement votre travail. On a fait une phrase en Casamance. Vous avez fait des sangs en Casamance, parce que notre base... À Djemberi. À exactement. Je connais bien le peu. On est à beaucoup de exactement. À Djemberi. Donc, notre base, c'est en Casamance, parce que la direction générale, le siège de l'entreprise est en Casamance. Donc, nous avons ces décisions que nous avons prises, parce que voilà, le produit est à Casamance, parce que notre source est en Casamance, à Bogot, qui est une source naturelle. Et c'est une eau minérale naturelle. Avec un processus de filtration naturelle. Donc, dans notre eau, nous n'avons aucun additif chimique. Donc, sur le marché, si vous faites la comparaison, c'est l'eau minérale la plus légère sur le marché. Même si on fait la concurrence avec les eaux occidentales, elle est beaucoup plus légère parce qu'on a un taux de 24,5 mg de l'eau du sec. La majorité des eaux tournent autour de 250 jusqu'à 350. Donc, on peut voir la différence. Véritablement, notre objectif, c'est de fournir à la population sénégalaise un produit de qualité. Un produit de qualité, et notre créneau, c'est vraiment la qualité et le professionnalisme. Tout ce que nous faisons, nous souhaitons que ce soit des événements de qualité. Que nous mettions en place des partenaires de qualité, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui avec Proforma Consulting sur cette foire internationale pour le bien-être des jeunes. Parce que c'est notre combat, si nous sommes en Casamance, c'est justement pour promouvoir l'employabilité des jeunes de la Casamance, parce que nous sommes dans une zone, une région pour ceux qui connaissent la Casamance, qui n'avait comme moteur économique que le tourisme. Et aujourd'hui, nous sommes la seule unité industrielle présente dans cette zone-là. Et dans notre personnel, 80% de jeunes sont des jeunes de la Casamance. Ils ont été formés. Ils sont formés, non, ils sont formés dans l'entreprise. Vous êtes dans le marketing, le service marketing, du bien d'où de Yesen, c'est quelque chose. Il vient d'un peu partout, Yesen, c'est bien chaud, on travaille vraiment avec toutes les structures de formation. Donc avec Yesen, c'est un vieux partenariat depuis le début, parce que c'est les jeunes de Yesen qui ont lancé la Casamance, voilà, sur le plan marketing. Et c'est pourquoi même les 3 ans, on le fait avec les gens de l'ISM, c'est Gachon. C'est pour le 3 août. Donc, bon, c'est le samedi. Déjà une rencontre le 27 avec les jeunes de l'ISM, mais un échange. En fait, on souhaite mettre en place. Hier, vous m'envoyez un message pour dire qu'il y a une sorte pédagogique. Deux jeunesses, une qui a eu la chance de pousser des études, d'avoir une formation de moi, et une autre jeunesse qui n'a pas eu cette chance-là et qui s'est retrouvée peut-être en échec scolaire très tôt et que nous avons pris sur nous de former à du métier. Et aujourd'hui, qui travaille dans la même entreprise. Dans donc cet échange va permettre à ces deux jeunesses de se rencontrer, d'échanger, surtout leur projet de vie, comment ils pensent l'entreprise. J'ai vu qu'on parle de marché d'après les estimations sont très fortes aussi. Qu'est-ce qui explique ce succès au sud du Sénégal? Alors déjà, quelle est-ce que vous avez une idée de la part de marché d'Azégation? Alors, de combien? 80%? Je ne voudrais vraiment pas m'avancer, mais on n'est peut-être pas loin. Ouais. Mais on a encore un gros travail à faire, même si c'est quelque chose de base.
ce qui est vrai, c'est quelque chose qui est basé, nous sommes dans tout ce qui est en fait, nous sommes dans le sud, nous sommes vraiment basés dans le sud. Le sud, c'est nos régions, et tout le travail que nous mettons en place sur la RSE, le sud, c'est vraiment notre objectif. Notre objectif, c'est d'offrir le sud au monde, pas au Sénégal, mais au monde. Et à Dakar, comment se comportent vos produits? Très bien, très bien. Très bien. Dakar est aujourd'hui le troisième gros marché. Le dernier chiffre d'affaires. Voilà, c'est vrai que c'est sur le plan démographique, Dakar, c'est le premier marché. De façon, c'est normal. Mais lui, il n'avait pas réagi, il est lourd. C'est dans les régions, les proches des populations. Là, nous avons pu rien avec le Atambapuka. Depuis le mois dernier, un dépôt fonctionnel qui permet de desservir les populations. Nous sommes en train de travailler sur d'autres régions pour vraiment être bien au niveau de ces régions. Qu'est-ce que le produit s'exporte? Alors, le produit s'exporte déjà sur la Colombie et la Tunisie. Nous travaillons par le BCR recevoir bientôt sur notre plateau, j'espère. J'espère bien. Ouais, merci beaucoup.